Si vous aimez les muesli, je vous propose aujourd'hui une recette super healthy, des flocons d'avoine et des fruits rouges. Voilà, c'est super facile avec des ingrédients que vous avez chez vous. Ici, vous avez de l'huile végétale, vous pouvez utiliser l'huile de coco ou de colza, c'est comme vous voulez. Vous avez aussi du beurre de cacahuète, encore appelé pâte d'arachide grillée. Et du bon miel, du très bon miel, je précise. Nous allons mettre tout ça au micro-ondes environ 45 à 60 secondes. On va remuer et puis on va saler. Donc là, j'ai mis 3 pincées de sel environ. Ok. Une fois que c'est prêt comme ça, on va balancer nos flocons d'avoine, 500 g de flocons d'avoine. On va juste bien mélanger et étaler tout ça sur une plaque. Voilà, on va bien étaler sur la plaque et on va enfourner pendant environ 25 minutes à 180 degrés. Ici, donc, vous avez les fruits rouges, c'est des fruits rouges déshydratés, hein. Et voilà, là, c'est à mi-cuisson, au bout de 12 à 13 minutes environ, j'ai remué, j'ai réétalé et j'ai continué la cuisson. Donc voilà, au bout de 25 minutes, passé au four à 180 degrés, ça ressemble à ça. Donc, je vais laisser refroidir complètement. Une fois que ça a refroidi, vous verrez que je vais casser. Regardez, voilà, ça forme. Regardez bien, ça a formé comme un bloc. Vous avez vu? Donc là, on va juste casser. Bon, moi, je vais pas casser totalement le bloc parce que je voudrais que ça forme des, voilà, des petits crunchs comme ça. Et je vais mettre dans mes fruits rouges là. Et c'est tout. C'est un mélange de fruits rouges déshydratés, hein. C'est juste des framboises, des myrtilles, des bleuets, voilà. Et on va mettre dans des boîtes. Ça peut se déguster avec du lait ou avec du yaourt. D'ailleurs, pour le yaourt, vous avez ma recette de yaourt maison sur la chaîne YouTube. Donc ici, on a mis du lait végétal. Alors pour la conservation, moi, je vous dirais 2 semaines. Dans des boîtes bien fermées hermétiquement. Mais de toutes les façons, chez nous, ça ne tient jamais plus de 2 semaines, plus d'une semaine, pardon, parce que chez nous, c'est en quelques jours, c'est dévoré, voilà. Bon, moi, je vous dis bon appétit. J'espère que la recette vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Abonnez-vous, c'est super encourageant pour moi. Laissez-nous des commentaires, des likes, partagez la chaîne autour de vous. Miam, miam, et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Miam, miam!